Well, I want to appeal to those who are waiting to share their testimony, because I know what it means. Je sais ce qui attend pour leur témoignage, je sais ce que cela veut dire. Vous avez eu de l'Est, du Nord, du Sud, de l'Ouest, pour vous me donner votre... Je trouverai le temps après le service. D'écouter votre témoignage. It's an obligation. C'est une obligation. Et d'attendre d'écouter mon témoignage. Si vous ne donnez pas ce témoignage, imaginez que vous n'avez pas donné un tel témoignage, que quelqu'un attend d'écouter son témoignage et que vous n'avez pas donné ce témoignage. Imaginez simplement la deuxième. C'est une bénédiction. I was positioned to listen to your testimony. Je suis là pour écouter votre témoignage. Your testimony. Les gens qui écoutent votre témoignage. No, time I'm not here. I'm somewhere watching. Chaque fois que je ne suis pas là, je suis quelque part en train de regarder mon TV. Plusieurs fois, je suis un téléspectateur. It's not all the time I'm here. Ce n'est pas tout le temps que je suis ici. I'm a viewers, je suis un téléspectateur pour cette fois. Viewers, téléspectateur. TV, watch, TV. Je regarde Emmanuel TV. Je dis comment cela se passe-t-il? Je n'ai été un téléspectateur un dimanche comme celui-ci. Et je ne peux pas attendre d'être un téléspectateur un de ces dimanches. Je reste à la maison, je regarde Emmanuel TV. John. Allons dans le livre de Jean. That's John 15. Jean chapitre 15. John 15. Jean chapitre 15. Verset 7. John 15. Jean chapitre 15. Verse 7. Verset 7. If you remain in me, si vous demeurez à moi, remain in you, et que ma parole demeure en vous, ask whatever you demandez tout ce que vous désirez, you want, tout ce que vous voulez, it will be done. Et cela vous sera accordé. Il y a deux paroles. Cela montre and his word are one. Que le Christ et sa parole sont un. It's simple. It's a, take a look again. Regarde encore. Many versions of the Bible, il y a plusieurs versions de la Bible. Your word is according to what I'm reading here. Mais si votre parole sera accordée à ce que je lis aujourd'hui, si vous demeurez à moi and my word, et que ma parole you, demeure en vous, demandez, il a dit tout ce que vous voulez, you wish, you want, tout ce que vous désirez, tout ce que vous désirez, it will be done, et cela vous sera accordé. Yes, then, cela veut dire and his word, que le Christ et sa parole sont un. My word, ma parole, à moi, Jesus, Jésus, word, sa parole, word, parole et Jésus. And his word. Le Christ et sa parole sont un. Alléluia. Alléluia. That you say that way. Voyez. Going by what you have, we have just read. That Christ si and his word. Nous continuons sur ce que nous avons, ce qui est écrit, le Christ et sa parole sont un. The word here. La parole ici. Est équivalente à Christ lui-même. Si sa parole demeure en vous, the word of God, la parole the de word Dieu dwell in you,
La parole de Dieu demeurera en vous, elle produit les fruits de la prière. Si la parole de Dieu demeure en vous, elle produira les fruits de la prière. Les fruits de la prière, fruits, F-R-U-I-T. Si la parole de Dieu demeure en vous, elle produit les fruits de la prière. Êtes-vous là? Comment sa parole peut-elle demeurer en nous? Cela veut dire il ne s'agit pas seulement de commettre la parole dans notre mémoire. Voilà, à cause de nos éducations, à cause de là d'où nous venons, nos origines, comment vous avez été élevé. Venir dans la parole de Dieu, c'est lui qui l'a dit. Il ne s'agit pas seulement de commettre la parole à mémoire, de la mémoriser. Ça veut dire que c'est quelque chose de valable pour la mémoriser. Mais permettre d'être une partie intégrale de vous. Mais permettre la parole de devenir une partie intégrale de votre être. It's good to memorize. C'est bon de mémoriser. Lorsque vous mémorisez la parole de Dieu, cela va demeurer simplement dans le salon. Rappelez-vous, nous avons le salon et nous avons la chambre à coucher. Lorsque vous mémorisez la parole, elle demeure dans le salon. Elle n'ira jamais dans la chambre à coucher. Vous mémorisez la parole de Dieu, la parole va demeurer dans le salon. Mais pas dans la chambre à coucher. Mais il faut que la parole entre dans la chambre à coucher. To memorize the word. Mémoriser la parole. You know, we have city room. Nous avons le salon et nous avons la chambre à coucher. When you choose to memorize the word, lorsque vous choisissez de mémoriser la parole, elle n'agit que dans le salon et pas dans la chambre à coucher. Vous avez besoin de la parole dans la chambre à coucher parce qu'elle vit en vous. La parole doit vous dominer, vous diriger. Elle doit satisfaire votre nature spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de commettre la parole, de mémoriser la parole. Ça veut dire que c'est quelque chose de valable de mémoriser. Il n'y a rien de mal de mémoriser. Mais permettre la parole de devenir une partie intégrale de votre être, de vous-même. Vous savez la raison pour laquelle la parole doit être une partie intégrante de vous. C'est parce que le Christ demeure en nous par la foi. Le Christ demeure dans notre cœur par la foi, dans notre cœur. Il ne peut demeurer dans notre cœur que par la foi. Jésus ne peut demeurer dans votre cœur que par la foi. And the Bible faith et la foi biblique comes from God's will. Vient de la parole de Dieu. Bible faith, not faith. Je veux dire, il y a plusieurs sortes de foi. All kinds of faith, but plusieurs sortes de foi. Mais la Bible, la foi biblique, comes from vient God's will. De la parole de Dieu. Like it is. Defined in the book of Romans 10:17. Comme c'est défini dans le livre de
12, verset 17, la foi vient. Let it put it the way it is written. Laissez-moi le mettre de la même façon que c'est écrit. La foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que l'on entend vient de la parole de Dieu? Romains chapitre 10, verset 17. Si la parole n'a pas le droit d'accès à votre vie, oubliez. It's like a magnet. Nay, magnet, nay, magnet. And if the magnet is there and the nay is there, there's no way they can jam, attract, connected. Il ne peut pas attirer la parole sans ce type d'élan. Permettre la parole d'avoir le droit d'accès dans votre vie, c'est permettre au Christ lui-même d'avoir accès. La parole de Dieu qui vous domine, c'est la Seigneurie de Christ lui-même en vous. Tout ça, c'est de l'imitation de l'homme. Raise your leg up. Vous soulevez votre pied comme ça, Jésus, Jésus. Come meet you. Le Seigneur. Because you imitate someone else. Ne pas parce que vous avez imité ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous imitez ce que quelqu'un d'autre a fait. Et c'est Seigneur.
tell me that, okay, you now set your clock to 29. But you tell me, girl, I want to spray my money water. It will not work. Because this is imitation. Imitation ne marche pas. We must be an imitation of God. Nous devons imiter Dieu, pas l'homme. Lord, I want Seigneur, je veux comme Jésus dans mon cœur. Justifiera de l'appel de ma vie. The end
Lève-toi. Va justifier que ce que vous faites, c'est votre appel de Dieu. What you are doing at the end, you can't. The children yet of born will not live to see, to hear about you. At the time you are passing to glory. À la fin, il y a des choses que les enfants de génération venir ne verront pas de vous. Les gens comme moi, où serais-je aujourd'hui? Ça, c'est l'héritage que j'ai reçu des apôtres. Ce que j'ai fait, le prix suprême qu'ils ont payé, c'est ce dont je suis aujourd'hui. Le prix que vous payez, les enfants de génération future. Je suis sûr de ce que vous allez faire aujourd'hui. La principale, regardez, voilà pourquoi nous disons que le monde arrive à la fin, parce que je suis mon copain. Nous, c'est passé pour attendre d'entendre de Dieu. Tu copies des choses, tu copies. Même dans la guerre, on encourage le lorsque vos enfants veulent faire un examen, on leur donne le premier choix, le deuxième choix. Il y a des alternatives partout. Ce serait très tôt pour vous de dire que voici mon appel. Ce que je fais, c'est ce que le ciel m'a appelé à faire. Non. C'est la fin. Celui qui débute n'est pas le propriétaire de la récompense, mais celui qui achève la course. Celui qui prend le départ n'est pas celui qui compte, mais celui qui finit la course, celui qui achève la course. Lorsque vous commencez bien, vous courez très très vite, et avant d'arriver à la fin, vous tombez. Et quelqu'un qui s'est forcé de vous rattraper devient le premier à porter la coupe, la victoire. Un homme très rapide et quelqu'un qui s'est forcé d'arriver à votre premier avant d'arriver à la fin ou en distribuer. La réponse, vous tombez subitement, et celui qui s'efforce derrière vous va être celui qui va recevoir la récompense. Alors, l'issue de la foi, c'est une question qui vous fait regarder de manière critique. Donc, comment cela a affecté votre vie? Êtes-vous un homme de foi? Une femme de foi? Faites-vous partie de la même famille de la foi? Faites-vous voir ce que vous faites? Si vous continuez à copier et que vous êtes patient pour écouter la direction qui vient de Dieu, voilà pourquoi vous voyez les gens. Les gens, beaucoup de gens sont abattus. Le mode de vie des gens est devenu épileptique. Haut et bas, haut et bas, haut et bas. Une copie ne pourra résister à l'épreuve du temps. Voilà pourquoi le problème arrive, vous vous lavez, vous copiez. Parce que ce que vous faites semble être une copie. Vous copiez cela. Ce n'est pas que l'idée vient de votre vous, de vous. L'idée ne vient pas de vous de manière immanente de votre cœur. Non. Les épreuves viendront, mais un homme de copie ne pourra jamais résister aux épreuves. Parce que vous faites copier une page originale, vous avez l'origine, et maintenant vous la photocopiez. Lorsque la pluie arrive, tombe sur cette feuille, sur l'original et la copie, vous verrez ce qui va se passer. Voilà la vie de ceux qui continuent à copier, 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 copier les gens. Who is the master?
Ah oui, cet homme, c'est le maître de la copie. L'homme, c'est le maître de la copie. Mais le maître de l'original, c'est Dieu. Jésus vous aime tellement. Jesus love you so much. Jésus vous aime tellement. Je vous le dis. There's no way you can be built up. Rien ne peut vous bâtir, de vous édifier pour marcher avec Jésus, pour œuvrer avec lui. Nous ne pouvons se édifier par la philosophie or theory about the word. Ou la théorie sur la parole. Vous ne serez jamais édifié pour marcher avec Jésus. Ce n'est pas possible. Ou dans l'histoire, son histoire dans la vie. Ou la théorie sur la parole. Non. La parole de Dieu doit vivre. Vous devez vivre la parole pour œuvrer avec Jésus. Ces chants, c'est pour élever votre esprit.
chorus realized that some people sleeping. Peut-être que la chorale a réalisé qu'il y a certaines personnes qui étaient qui dorment. Donc ils veulent réveiller votre esprit. Vous savez, la réussite est partout. C'est une bonne idée de la bonne source. So you are awake now. Vous êtes réveillé. So, we can only be a part of Christ when the world dominates. Parole nous domine. The word of God. Parole de Dieu. Dominate us. Nous domine. Part of Christ. C'est là que vous devez faire partie de Christ. Then you can bring Christ on the scene. À ce moment-là, vous pouvez emmener Christ sur la scène. Vous criez Jésus et vous le voyez. Instantanément. When the world dominates you, quand la parole vous domine, you bring Christ, vous amenez Christ on the scene. Sur la scène. Jesus name, le nom de Jésus. Instantly, bring him on scene. Instantanément, vous l'amenez sur la scène. Vous pouvez prendre une véritable profonde décision quand vous commencez à vous voir vous-même chaque jour comme si c'était votre dernier jour sur la terre. C'est là que toute cette histoire de je suis né de nouveau, j'accepte mon Seigneur comme mon sauveur, c'est de la rigolade. Si vous voyez aujourd'hui comme votre dernier jour sur la terre, vous pouvez prendre la bonne décision. Je veux accepter Jésus-Christ, je veux le suivre. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur la terre, je veux le suivre. Vous ne pouvez pas vous permettre de le décevoir. Prenez cette décision avec cette parole. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur la terre. Si aujourd'hui, c'est votre dernier jour sur la terre, pas d'autre encore. Cela veut dire que vous avez terminé avec le monde et il devient immatériel. Votre tête, car il est la tête du monde immatériel, du monde invisible. Et vous vivez dans le monde visible. Donc vous le rencontrez dans ce monde invisible. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur la terre. Prenez la décision, acceptez-le avec cette parole d'encouragement. Prenez cette décision avec cette parole d'encouragement. Donc maintenant, to make Christ a part of you, pour que Christ se fasse partie de vous, you, like we said last, la parole doit vous dominer. Comme nous l'avons dit dimanche dernier, je répète, il n'y a pas d'autre chemin. À notre niveau, il y a tellement de choses à laquelle nous devons penser. Et votre cœur a besoin d'être libre. Vous avez besoin d'un cœur libre, un esprit libre pour accepter Jésus. Et vous n'êtes pas libre. Un esprit libre peut seulement attirer Jésus. Un esprit libre. Si votre esprit n'est pas libre, tellement de choses qui se passent dans votre cœur. Un esprit libre attire l'Esprit de Dieu. Un esprit libre. So many to think about. Now to accept Jesus as maintenant, pour accepter Jésus comme notre right now begin to meditate. Maintenant, commencez à méditer sur ce que vous entendez maintenant.
Commencez à méditer sur ce que vous attendez maintenant. Les messages que vous êtes en train de recevoir, commencez à méditer. Je ne dis pas penser. Je ne dis pas penser à ce message, je dis méditer. Pour seulement penser à votre même méditer sur la parole que vous entendez maintenant. Méditer sur elle, la tourner, retourner encore dans votre cœur. C'est comme faire de la purée. Les pommes de terre jusqu'à ce qu'ils soient flexibles et rendus capables d'être mangés en purée. S'il n'est pas encore rendu en purée, vous continuerez de battre la pomme de terre jusqu'à ce qu'elle devienne souple, flexible pour la purée de pommes de terre. Car si vous ne retournez pas la parole dans votre cœur, elle demeurera simplement seulement sur vos lèvres. Il y a une différence avec la parole sur les lèvres et la parole au cœur. La parole dans le cœur qui libère l'autorité. Il y a de la puissance de votre bouche. La croyance de votre cœur est libérée par la foi en dehors de votre bouche. Que quelqu'un dise, il y a de la puissance dans ma bouche. La croyance dans mon cœur est libérée par la foi en dehors de ma bouche. Il y a de la puissance dans ma bouche. Que je dis dans le nom de Jésus. Amen. La puissance vient. Avant que cette puissance soit dans votre bouche, la croyance de votre cœur doit être libérée par la foi. Si cette croyance est libérée par la foi, elle sort de votre bouche. La croyance dans mon cœur est libérée par la foi en dehors de ma bouche. Cela signifie que la foi, c'est croire avec votre cœur et confesser avec votre bouche. C'est la foi. De retour de là où je viens. La foi, c'est croire avec mon cœur et confesser avec ma bouche. C'est la foi. Dans ma bouche, la croyance de mon cœur est libérée par la foi dans ma bouche. Donc, bientôt nous allons voir ce que nous parlons de la puissance. Sois guéri. Vous voyez que je peux trembler. Je suis guéri. Comment est-ce que cela est arrivé? La puissance dans la bouche vient quand la foi est de la croyance du cœur. La foi doit libérer cette croyance avant de dire que vous croyez. La foi doit amener cette croyance avant de dire je crois que Jésus est Seigneur. Si cela n'est pas libéré par la foi et vous dites que vous croyez que Jésus est Seigneur, vous êtes en train de vous parler à vous-même. Pour parler de Jésus, la foi doit libérer cette croyance avant qu'elle devienne un produit. Machinerie. Je crois que le Seigneur, que Jésus est Seigneur. Par quelle autorité? L'autorité est que la croyance du cœur est libérée par la foi en dehors de ma bouche. Vous
vous faites vite, vous êtes rapide pour dire je crois, je crois. Je crois plus une parole de la bouche. Nous sommes rapides à dire Jésus est Seigneur. Démon guérisseur, cela doit être libéré par la foi de notre cœur. La foi doit libérer la foi. Parce que la croyance demeure, reste dans le cœur. Il n'y a pas d'autre lieu où la croyance demeure. C'est le seul lieu où il vit. Il vit dans notre cœur et il est par la foi en dehors de notre bouche. Vous pouvez commencer quelque chose maintenant. Quel que soit votre niveau, vous pouvez commencer maintenant. Commençons quelque chose. Êtes-vous prêt à commencer avec moi? Nous continuerons de construire dessus. Commencez maintenant à méditer. La méditation est du cœur. La pensée est mentale et la foi n'est pas de l'ordre du mental. It is not an intellectual Ce n'est pas agreement. Un accord intellectuel. Faith. I take it again. Faith is not Je le dis an encore, intellectual agreement. La foi n'est pas un accord intellectuel. Faith is not mental. Faith is not mental. La foi n'est pas un élément mental. So to have this faith now, pour avoir cette foi maintenant, tout ce que vous avez vu, vous avez entendu que ce matin, que vous entendez maintenant, commencez à méditer cela. Et pour méditer, la méditation est du cœur, n'est pas de l'ordre mental, mais du cœur. Le bracelet de la foi que je vous ai donné n'est pas du mental, ni de la bouche, mais du cœur. Quand votre cœur est engagé dans quelque chose, votre corps, votre foi, votre apparence, vos facultés, vous demeurez silencieux. Personne ne saurait que vous méditez quelque chose. Je vous dis, voici comment on fait. Ce n'est pas de votre cœur, mais de votre, de l'ordre du mental. Si votre cœur est avec quelque chose, toute autre part de votre cœur, de votre corps va s'arrêter. Seulement votre cœur qui dit quelque chose. Car la méditation est une visite avec Dieu. Si vous voulez visiter Jésus, méditez dans sa parole. Vous le verrez bientôt, vous le visiterez. C'est juste une histoire de joindre. Et tenez-vous debout aussi. Je vais démontrer quelque chose. Vous tenez debout là-bas. Stand in front of my brother here. This lady is very close to this man. Cette femme est très proche de cet homme. This man is Jesus. Prenez par exemple que cet homme est Jésus. He's close. Il est proche. To him. And my brother is a bit mon far, frère est un peu plus loin qu'elle. If you want to go to Jesus, si vous voulez you aller à Jésus, before this man. Vous arrivez là so avant cet homme. We start meditation now. Si nous commençons la méditation, cela dépend de la distance à laquelle vous êtes de Jésus. La méditation est une visite avec Dieu. Vous voulez visiter, si la sœur commence à méditer sur la parole de Dieu, et cet homme aussi commence à méditer sur la parole de Dieu, cette femme arrivera devant Jésus avant cet homme. So therefore, this is just, it's a visit with him. You want to go and visit him, okay, they start visit. Donc vous voulez le visiter, it's not running. Vous commencez à visiter, ce n'est pas une histoire de courir. You cannot take you to Jesus, dancer cannot take you to Jesus, danser pour Jésus, courir ne pas vous amener vers Jésus, même les paroles éloquentes ne pas vous amener vers Jésus.
Même si vous avez votre vie, cela ne peut pas vous amener vers Jésus. La seule chose qui peut vous amener vers Jésus, c'est quand vous commencez à méditer sur la parole de Dieu. Que vous retourniez et retourniez encore cette parole, encore et encore dans votre cœur. La méditation est du cœur de l'homme, qui est l'esprit de l'homme. And like I have said, comme je l'ai dit, Bible fear is of man's heart. La Bible, and man's spirit. La foi biblique est du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme. And someone can also be here. Quelqu'un peut aussi être ici. So if this man now, this woman now called Jesus, si cette femme appelle maintenant Jésus, before this man, Jésus you know, entendra I told you that faith is avant même que l'autre homme l'appelle. That purchase heavily resources. What are we purchasing? Achète salvation, la monnaie céleste. Healing, qu'est-ce que nous achetons? Prosperity, le salut, la guérison, la prospérité. Resources. Ce sont des ressources célestes. Faith is heavily currency, la not foi dollar, est une pound monnaie céleste. We have on the earth here, but this time it's heavily currencies. C'est une monnaie the céleste. The amount of faith you have is amount of heavily resources. It seems to have more le nombre than de dollars que vous avez, c'est le résultat de ces ressources. Cette femme a plus de. What is happening now? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ce que je fais maintenant, le temps que j'arrive à la section des malades, j'ai dit Jésus, la personne commencera à marcher. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de foi, mais vous avez la foi, mais vous êtes un peu plus loin. J'ai peut-être un peu plus proche que vous de Jésus. Ça veut dire Jésus et qu'il répond. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire la même chose? Non, on peut méditer un peu plus loin. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de méditer sur la parole de Dieu et de retourner cette parole dans votre cœur. Et de là, vous pouvez même surpasser la personne qui était là avant vous. Personne n'est né sans cette semence. Cette semence. Cette semence est là. Peut-être qu'elle est dormante. Vous l'utilisez. Peut-être de façon ignorante, vous ne savez pas. It's just like a man. You say I'm poor because you are poor because you don't have money in the pocket. You say you are poor. A man that is poor is not a man that does not have money in the pocket. Vous êtes pauvre. Un homme qui est pauvre, c'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent dans la poche, mais c'est un homme qui n'a pas. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas d'argent dans la poche ou n'avons pas d'argent dans la poche. Non, ce n'est pas de là d'où vient le mot pauvre. Et ce n'est pas la définition de la pauvreté. Quand notre vision est fermée, ce n'est pas de vision pour la bénédiction dont vous êtes pauvre. De la même façon, je n'ai jamais vu quelqu'un n'a pas la foi. Qui vous a dit que vous n'avez pas la foi? La foi est dormante, vous l'avez. Activates la prière. Because sometimes I basically when you listen to my teaching, 90% of my teaching is about faith. Quand vous écoutez mes enseignements, vous verrez que 80% c'est toujours au bout de la foi, la foi, la foi. Parce que c'est la seule chose qui peut être. Vous voyez beaucoup de choses se dérouler, des guérisons se dérouler, mais vous êtes ignorant de ce qui se passe ou comment ces choses arrivent. L'ignorance de ces choses ne peut pas arriver à de nos jours. Cela est très
douloureux. Que ces choses en train de se dérouler, vous ne savez pas comment elles se déroulent. Vous n'arrivez pas à comprendre comment elles se déroulent. Vous voyez comme quelqu'un qui ne pourra jamais faire la même chose. Cela vous rend seul parmi des millions de personnes, comme si vous êtes seul. Et pour être seul, c'est très mauvais. Les gens vont voir comment cela se passe. Il n'y a pas besoin d'aller au ciel pour voir Jésus. Ça, c'est l'idée religieuse. Les gens religieux pensent qu'ils doivent voir Dieu. Dans notre cas, Jésus est venu. Pour restaurer la communion entre Dieu et l'homme. Nous venons dans un angle différent, dans des angles religieux, et nous refusons de laisser les idées de religiosité, les idées de voici comment cela doit être. Des idées disant ceci, cela, nous refusons de laisser ces idées que nous amenons dans la chrétienté. Il y a une différence entre la religion et la chrétienté. Il y a une différence pure. Vous n'êtes pas proche de Jésus, vous n'avez pas de problème. Mais si vous êtes proche de Jésus, d'être proche de lui, vous êtes dans les troubles. Dans la main de Satan. C'est pourquoi il y a tellement d'attaques partout dans la chrétienté. La chrétienté ne sont pas unis. Qui est le chrétien? Nous vivons par l'amour, nous à l'amour. Nous connaissons nos ennemis car nous saluons par l'amour. Car notre amour va au-delà de l'ennemi. Notre amour va au-delà de la haine. Notre amour attaque. Pour m'attaquer, ils disent les personnes religieuses ne vont pas au-delà de l'attaque. Quand vous attaquez en retour, c'est leur fait qui vous le font. Cas, quand vous nous faites du mal, nous faisons de la chrétienté. Cela devrait être la chrétienté. Votre voisin comme vous-même, votre prochain ami, votre ceux qui ne partagent pas la même foi que vous, votre collègue. Aimez-les tous. C'est ce que nous devons. Ce que Dieu a dit, aime ton voisin comme toi-même. Ton voisin peut être que ton ennemi. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Que faisons-nous maintenant? Qu'est-ce que nous pratiquons? Nous pratiquons l'opposé. Aime ton voisin comme toi-même. Ton voisin peut-être que ton ennemi. Peut-être que ceux qui ne marchent pas la même fois que toi, les en premier. Lorsque je pose devant que vous savez que je suis le Dieu que je sers, je peux simplement gagner votre âme quand vous êtes proche de moi. Quand je suis proche de vous, non pas.
while standing. Think about coming from and also think about where you are going. You will see that you won't stop and stop. And begin to think about where you are going now. That is the answer and the way out. When you look at what does he ask you to accept Jesus genuinely? Why is it so difficult? Pourquoi est-ce que c'est difficile pour vous d'accepter Jésus de façon véritable? Quand cela vous a pris aussi longtemps, la raison pour laquelle cela vous a pris aussi longtemps, c'est que nous croyons à la majorité. Votre vie est toujours à propos du haut de votre corps. Majority. You have good friends, bad friends. Vous avez de bons amis, de mauvais amis, ce qui peut vous influencer. Whatever the thing is, what you follow. It's because you continue. For how long? This? For how long? Combien de temps allez faire comme cela? Vous allez être responsable pour. C'est pourquoi vous avez mis votre vie à Jésus. You give account on the last day. Votre compte dernier jour. So, what are we waiting for now? See Jesus as the financing. Voyez Jésus comme la solution finale. Financing. C'est là le dernier mot. Jesus said this. Jésus l'a dit. Qui suis-je? Who is he? Qui est-il? If Jesus has done this, who is he? Who I am? Financing. And let us give all our hearts. Si Jésus a le mot final, donnez-nous tout votre cœur à Jésus. This is our brother heart. He was telling us some testimony, which is really, 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 really. He said he dreamed. Il a donné ce témoignage. Il a dit qu'il a rêvé. You are a channel of pardon. Il y a un canal de pardon dans l'injustice. De blessure. Now you are a channel of pardon. Vous êtes un canal de pardon. It is time now to give yourself. C'est le temps maintenant de vous donner la prière. Where you are accused wrongly, temptation. Là vous êtes accusé. Give yourself to prayer. Façon fausse, donnez-vous dans la prière. Thank you, Lord. You may be seated. Merci, Seigneur. Ce n'est pas encore terminé. La méditation. Commencez à méditer. Commencez à méditer. Cela va vous garder occupé. Parfois, il vous appelle parce que vous voici, mais vous n'êtes plus ici. Faire vous focaliser. Commencez à méditer maintenant. Méditez. Méditez. There's nothing you have not seen. The only where is your. Il y a plein de choses qu'on a faites et il y a plein de choses qu'on n'a pas encore. Les choses qu'on n'a pas encore bien faites, c'est les choses avec Dieu. Il n'est pas trop tard. Quand tu dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Si c'est ce sur quoi vous voulez méditer, pas de problème. Mais dans mon cœur, je suis un pécheur. Whiter than snow. You see, begin to refill yourself now. C'est le problème auquel vous faites face. Remplissez vous-même, dites Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Il vit dans notre cœur. Viens dans mon cœur. Lave-moi de ton sang précieux. Ce sang de Jésus. Save my soul. Et sauve mon âme aujourd'hui. If you are type that lying, si vous êtes le genre à mentir, vous mentez n'importe comment. Faites-moi un canal. Là où il y a le mensonge. Avant que vous le sachiez, quand vous voulez mentir, cela va s'arrêter. Parce que vous avez déjà appris pour de l'aide. Vous êtes maintenant un canal de vérité, vous ne pouvez plus me mentir. Continuez à vous remplir. Faites-moi un canal où il y a le mensonge.
mensonge. Le canal de bénédiction, là il y a la pauvreté. Le canal de bénédiction, là il y a la pauvreté. Justice. Le canal de justice, là il y a l'injustice. Begin to feel yourself, feel it. Commencez à vous rendre. Even when I pray for you, continue to meditate. Même quand je suis en train de prier pour vous, continuez de méditer. It does not stop you from saying what I have to say. Ma prière pour vous ne vous donne pas de vous arrêter de dire ce que vous voulez dire dans votre cœur. Avant que vous le sachiez, vous deviendrez complet, deux natures. Parce que maintenant c'est une seule nature qui fonctionne. Vous avez deux natures, mais c'est une seule nature qui fonctionne. Avec moi, vous avez deux natures, mais c'est seulement une nature qui fonctionne. L'autre nature est éteinte. La seule fonctionne, c'est la nature humaine. Votre nature divine est éteinte. Éteinte. Voilà pourquoi c'est difficile pour vous de méditer. It's difficult. Little time now when I tremble, I say, let's talk, God. And when you are talking, you meditate. Et quand vous parlez, vous n'avez pas médité. You talk, you meditate. Parce que une nature est. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas méditer. And when you are not, you struggle to say it in your heart because quand vous méditez, vous devez pouvoir le dire dans votre cœur. Parce que vous n'êtes pas habitué à le dire. Dites à votre voisin. You have two natures. Tu as deux natures. One is shut down. Une qui est éteinte. Je ne dis pas qu'elle n'est pas là, je dis qu'elle est éteinte. C'est seulement une qui fonctionne. C'est la nature humaine. You can abuse people, you can là, vous pouvez abuser les gens, vous pouvez mentir. You pray with human nature and you expect vous prayer priez avec votre nature humaine et vous espérez une réponse de Dieu. Vous voyez les gens prier comme cela. C'est la nature humaine, ce n'est pas la nature divine. Notre message aujourd'hui, c'est comme un miracle. Il n'y a pas de différence entre la guérison et ce que je veux dire. Si je commence à prier pour vous, que je veux de vous parler, il n'y a pas de différence. Vous avez deux natures. Mais il y en a une qui est éteinte. Every human being has two natures. Tout être humain a deux. Mais aujourd'hui, la nature humaine, c'est celle qui fonctionne, la nature divine est éteinte. La nature humaine ne peut pas prier, car la parole de Dieu déclare que nous ne savons pas comment prononcer la parole, prononcer la prière, et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. That's why you have time to say, Jesus, kill my enemy. Jesus, Jésus, tu es mon ennemi. Je renvoie à celui qui m'a envoyé. Vous dites plein de choses. Il n'y a rien que vous ne pouvez pas dire. C'est tout, toujours tuer, 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 détruire, détruire, détruire. Vous voulez vous venger. Vous voulez répondre. Ah, il m'a abusé. Ah, il n'ira pas mieux. Ah, le psaume 35. C'est la nature humaine, c'est toujours comme ça. Votre nature divine laisse tout pour Dieu. Rappelez-vous, je dis qu'il y a deux natures, une et la seule qui fonctionne, c'est la nature humaine. That is why, and we cannot meditate with nature. Nous ne pouvons pas méditer avec la nature humaine. C'est seulement la nature divine que vous pouvez méditer. Car la nature divine est du cœur de l'homme, de l'esprit de l'homme. La nature humaine, c'est le mental. Mémorisation. Téléspectateurs du monde entier, je vais vous laisser ici. Nous prions pour votre réveil. Comme je l'ai dit, nous avons deux natures.
in one person. Une personne. Human nature and divine nature. Nature. But today, humaine et la nature people, divine. Divine nature has been shut down. La nature divine est éteinte. Notre caractère semble être dormant. La nature divine semble être dormante, inutilisée. Nous devons la raviver, nous devons la réclamer et voir pour réviver it. Et voir comment le faire. Ce sera ravivé à entrer en action. Donc, pour éviter, vous pouvez simplement méditer que par la nature divine et la foi qui est de la nature divine. Elle vient du cœur, de l'esprit de l'homme. Nature divine, ça c'est la foi. Donc, voilà pourquoi il est difficile pour vous de méditer. Il commence à méditer, vous méditez A. Au lieu de méditer, vous commencez à penser. La pensée est différente de la méditation. Quand vous pensez à vos problèmes à la maison, alors comment est-ce que je vais payer ceci en dehors de mon salaire? Comment est-ce que je pourrais payer mes dettes? En train de penser, vous ne savez pas la différence entre penser et la méditation. Votre pensée divine est dormante. Vous êtes ravivé. And when your human, when your nature is in action, quand votre nature divine est en action, votre nature humaine peut aussi parler. Elles ne se contradictent pas. Elles ne se contredisent pas, pardon. Vous êtes ensemble. Je peux vous parler en même temps, je peux être en train de parler. Et parce que maintenant, la nature divine est éteinte, utilisons seulement que la nature humaine. Quand quelqu'un vous appelle, vous arrêtez votre prière. Ce n'est pas possible pour vous de faire les deux. Vous dites à quelqu'un, attends-moi, je suis en train de prier. Merci. Que Dieu vous bénisse. I want to pray for you, your je vais prier pour vous, votre esprit, heart, votre cœur. Père, rescue my people. Secours mon peuple. Rescue my people. Secours mon peuple. Rescue my people. Secours mon peuple. No, you need rescue. Vous savez, vous avez besoin de secours. Vous avez besoin de secours. You need rescue. Lord, I want to be like Jesus in my heart. That is divine nature. In my heart. In my heart. In my heart. Heart. Lord, I want to be like Jesus. In voilà pourquoi la Bible dit qu'un arrêt dans la prière est dangereux. Vous continuez de vous demander comment est-ce que je peux prier 24h/24. À vous qui priez, c'est votre nature divine. Vous faites tout ce que vous voulez alors que votre cœur est en train de prier. Mais si cela est dormant, vous êtes en train de laisser simplement votre nature humaine. Donc c'est pour cela que vous pouvez prier sans cesse. Sometimes I travel for fasting a month to the mountain for fasting for 3 days. I was in the mountain.
comme le jour, deuxième jour, le soir, jour, nuit. Je me suis appelé, je lui ai dit comment allez-vous. Il dit, tu es là depuis combien de jours? Il dit, deux jours. Il dit, je vous dis de prier, de jeûner. Il m'a dirigé de prier, de jeûner pendant trois jours. Je lui ai dit, sans manger, sans boire. Il m'a dit, oui. Il dit, tu peux comme ça. Il m'a dit, est-ce que tu ne lis pas la Bible? Va lire ta Bible et vois ce que le Seigneur dit. Je lui ai permis de continuer. Le troisième jour, je n'ai plus rien entendu de lui. Je suis rapproché de lui, c'est comme s'il s'est allongé, comme s'il mourait. Il dit, alors, tu as arrêté de parler, tu arrêtes de faire du bruit. Elle dit, ça fait trois jours, je ne veux plus parler. Il était fatigué. Premier jour, Jésus, deuxième jour. Jésus. Le troisième jour, je ne pourrais rien entendre. Je suis rapproché de lui, je lui ai dit, il avait les yeux, il m'a regardé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais sortir aujourd'hui, ce jour, c'est mon troisième jour. J'ai dit là c'est bon, maintenant tu es en train de prier, c'est ta nature divine qui est en train de prier. Tout ce temps-là tu me perturbais, tu sais je suis là pour venir prier, tu vas me perturber. C'est ta nature humaine qui prie, tu es en train de juste gaspiller ton temps. Maintenant tu dois faire deux jours de plus. Elle dit ah non, je vais mourir, je ne pourrais pas le faire. Elle dit pourquoi? J'ai dit oui parce que tu faisais comme une fête du tu étais en train de perdre du temps. Ce que je veux, quand vous résumez la prière pour jeûner et que véritablement vous êtes appelé à faire jeûne, c'est votre nature divine qui fait le travail. Vous allez vous allonger, s'il y a une parole que vous voulez dire, c'est juste une louange. Vous êtes en train de chanter et dire merci Seigneur. Quand vous n'êtes pas capable de faire ce jeûne, allongez-vous, continuez à méditer. Vous voulez continuer à dire Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce que vous envoyez pour faire ça. Parce que ce que vous faites ne doit pas demeurer sur la chair, ne doit pas reposer sur la chair. Votre chair ne peut rien porter. Parce que votre chair peut avoir le diabète, peut avoir l'hypertension après le jeûne. Après le jeûne, vous allez voir que vous allez développer un ulcère. Développer un ulcère. Donc dans le jeûne, la chair n'est pas demandée. La bouche de l'homme n'est pas nécessaire. Comment est-ce que vous vouliez louer le Seigneur quand vous jeûnez? Dans cette opération, la chair n'est pas nécessaire. Donc quand je vais dans le jeûne, je suis quelque part, vous pensez que je suis en train de me reposer. Quand je commence, vous pensez que je suis en train de me reposer. Seulement quand je commence à chanter des louanges, des adorations, c'est là que vous savez que je suis en train de prier. Sinon, à part cela, je suis allongé. Mais la nature divine est en train de prier. Vous pouvez aller pendant 10 jours sans vous arrêter. Je ne suis pas engagé dans ma chair. Mais aujourd'hui, alors que je parle, 99% du monde, ce qu'ils savent à propos du jeûne, commencer à jeûner, lire tous les psaumes de la Bible, commencer à lire, Jésus fait le pour moi, Jésus fait le pour moi. Après, vous reposez. Vous arrêtez encore, vous continuez. Jusqu'à ce que les jambes, les mains ne peuvent plus bouger. C'est comme cela que vous arrêtez de bouger. Ce n'est pas la façon de faire. Permettez à votre nature divine de faire le travail. Plus d'engagement de la chair affecte le résultat. Nous parlerons de cela la prochaine fois, comment jeûner. D'accord? Thank you very much.
is when we are in the crowd. Au milieu de personnes que je lève des points de prière, que vous élevez ces points de prière avec moi. Afin d'entendre ce que je suis en train de dire, que j'entende ce que vous dites en réponse. Vous êtes à la maison, tu ne veux pas votre propriétaire. C'est une prière, c'est amusant. Vous dormez dans une maison, vous entendez soudainement, « Oh, Seigneur, détruis-moi, brûlez !» Le temps commence à ouvrir les fenêtres. Jésus, fais-le maintenant. Vous êtes en train de me demander, mais qu'est-ce qu'ils veulent que Dieu fasse maintenant? This is assembly. We assemble ourselves. Nous sommes dans une assemblée. Pour louer et adorer. Mais toutes ces choses, les propriétaires des voisins se plaignent. Qu'est-ce que vous essayez de faire? So thank you. You may be seated. Thank you. Merci, assieds-vous. So now we attend to the sick one. We attend. Listen. Temps de prendre soin des malades. We attend to the sick one because your prayers also count. C'est vos prières aussi. Attend to the sick one. Nous allons prendre maintenant. Whatever happened there, you are done. Vos prières aussi comptent. Comme nous faisons ici, vous êtes aussi ensemble avec nous. Vous savez, ce n'est pas possible pour tout le monde d'étendre sa main. Dieu va utiliser quelqu'un pour le faire. Dieu m'a juste choisi pour vous guider ou vous diriger. Ça n'avait pas dit que je suis meilleur que vous. Dieu vous aime, Christ vous aime tout comme il m'aime. Il m'aime tout comme il aime les apôtres. Le problème que nous avons, c'est que nous n'aimons pas nous-mêmes. Je crois que Christ aimait les apôtres de l'ancien plus que vous, c'est un mauvais statut. Tout comme il aimait les apôtres de son temps, il vous aime de la même façon. Le problème que vous avez, c'est que vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas accepter l'extérieur. Si vous aimez vous-même, vous n'allez pas vous mal comporter. Vous n'allez pas commencer à me dire et faire ceci, faire cela. Si vous aimez vous-même, vous n'allez pas essayer de faire quoi que ce soit qui va vous affecter. Vous devez premièrement vous aimer vous-même pour accepter ce grand amour que Jésus a manifesté à son peuple. Il vous aime tout comme il aime tout le monde. Premièrement, vous devez vous aimer vous-même. Vous ne vous aimez pas vous-même. Vous voulez accepter l'amour qui vient de Christ. Vous devez vous pardonner vous-même afin de pardonner aux autres. Si vous ne
pardonnez, pardonnez pas vous-même, vous ne pouvez pas pardonner aux autres. Le pardon vient d'en haut si vous n'avez pas à vous pardonner vous-même. Vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas. Pardonnez-vous vous-même. Quand vous pardonnez vous-même, en fait, quand vous vous voyez, vous voyez vous-même comme un le corps du Saint-Esprit. Je te pardonne. Vous ne pouvez pas pardonner aux gens. Parce que vous pouvez simplement pardonner, mais sans oublier. Donc, premièrement, pardonnez-vous vous-même. Et donc, pardonnez aux autres. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne vous pardonnez pas vous-même, vous ne pardonnez aux autres ni aimez les autres. Moi, pour étendre ma main, je suis juste envoyé parmi vous pour le faire. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui, parce que Christ vous aime, c'est pour cela que cela se produit en moi. Je vais maintenant bâtir votre foi sur cela, car Dieu m'a utilisé à la synagogue pour guérir les autres, faire beaucoup de miracles. Voyez-vous dans cette position comme si Dieu est en train de vous utiliser dans la synagogue, là où vous vous trouvez dans le monde. N'oubliez pas ce que Dieu vous utilise à faire. Ne dites pas ce type de choix que Dieu utilise. Non, non. Vous êtes là avec moi, en prière avec moi. Dieu aussi voit vos efforts. C'est pour cela que le miracle se produit. Maintenant, je répète. Maintenant, vous voulez savoir que Dieu est fiable. Ce qui va se passer maintenant va vous montrer que Dieu est fiable. Suivez-le. Vous allez voir ce qui va se passer dans quelques instants. Cela va vous montrer que Dieu est avec vous. Bâtissez votre foi autour de cela et continuez de vivre cette vie que Dieu m'utilise à la synagogue pour que les gens délivrent les gens. Continuez de vivre cette vie. Hallelujah. So, thank you. Merci. Asseyez-vous, merci. Hallelujah. Now, il y a un avertissement qui se passe dans l'église. Il y a eu quelqu'un la dernière fois qui avait pris l'argent de quelqu'un, son sac, etc. Une nouvelle personne qui venait d'arriver à l'église, une personne est allée prendre l'argent dans son sac. Je veux vous dire que pour votre information, depuis que le bâtiment a explosé, ça a été capturé par la caméra, Dieu m'utilise de façon avancée. Ce n'est pas seulement au Nigeria que j'ai mis la caméra, mais aussi partout dans le monde. Aussi, ils ont des caméras. Alors, vous êtes assis ici, il y a quelque chose qui est en train de vous enregistrer. Si vous faites votre tête comme ceci, c'est enregistré. Si vous faites comme ceci, c'est enregistré. Alors que le Saint-Esprit se montre comme un Dieu puissant, nous a montré aussi comment explorer cela. Nous allons vous montrer ce qui s'est passé récemment. Nous n'allons pas vous montrer tout, mais occasionnellement, juste pour vous avertir. Ceux qui viennent, ceux qui essaient aussi de venir. When you enter the vehicle, God has given us to that until you enter the vehicle. Jusqu'à ce que tu rentres dans le véhicule, jusqu'à ce que tu rentres dans le véhicule, tu peux même fermer la porte de matriculation du véhicule. Okay, let's play one that just happened. Alors, before I came, on va vous montrer la vidéo de quelque chose qui s'est passé. Donc, comme c'est dit, je vais faire ce que j'ai à faire et fuir avant que tu ne reviennes. Regardez la vidéo. Regardez. That is supermarket. C'est le supermarché que tu veux.
Il va mettre ça sous son slip, vous voyez. Il le cache dans le slip. The same man, the arrow is follow. L'homme que la flèche rouge suit, regardez-le. He came back again. Il va revenir. He has a special on the slip. Qu'est-ce que c'est? Regardez-le. That one is not enough. You ça ne suffit pas, il va prendre un autre. The biscuit, il va prendre les biscuits, d'autres choses. Maintenant, la flèche rouge, vous voyez, le vrai dans l'église. Suivez la flèche rouge à droite de l'écran. Les gens commencent à venir, l'église est presque vide. Vous tout le matin, vous le voyez. Regardez-le, il va le mettre sur son sac. Vous voyez, c'est très tôt le matin. L'église est presque vide. Ce qu'il a pris, maintenant, il le met dans son cachet. So he's dropping that one inside another bar. Il met ça dans un sac. Again to carry another one. Après, il a fini, il va retourner au supermarché pour prendre d'autres. Regardez-le. He has a bag there. He's il a un sac, il met tout dans le sac. Back. Oui, il est revenu de nouveau, vous le voyez. The same again. Vous voyez. That is this time around sweet. Cette fois-ci, il prend des bonbons. You see the way ce qu'il a la main, tu vas voir comment il va manœuvrer ce qu'il a regardé. You see combat. Il va revenir, regardez. So you carry as many as possible. Il beaucoup, il retient. Vous le voyez. Now at security, when we ask them to pick it, maintenant, quand on a attrapé, on a conduit la sécurité. Maintenant, regardez tout ce qu'il a pris à la sécurité. Il ne sait pas pourquoi on l'a pris, mais il de sa poche, il enlève. Vous voyez, il enlève de sa poche tout ce qu'on a plutôt attrapé. Il est en train de tout ce qu'il a pris, il s'en débarrasse, regardez-le. Il est dans un sac. Mais il ne sait pas que la caméra est en filmé. Écoutez, venez. Après, amenez-le. Il est ici. Put him on the screen. Regardez-le. This is it. This is him. He's here. He's here. This. Le voici. The one standing there. C'est lui qui est. The thing he has many other he has. Tout ce qu'il a pris est bien là. Vous le voyez. Sorry. So you wait for deliverance. Why? Tu attends la délivrance. Dis-moi pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? My name is Mr. Victor. All who watch in this screen. Tout ce que vous avez vu, l'écran, c'est moi. All what they watch in the tout ce qu'on vient de montrer in the clips is me. Sur l'extrait vidéo, c'est bien moi. And it's all true. Et c'est vrai. J'ai l'esprit de vol, de kleptomanie. When I was at Onitsha, okay. It happens that all my friends then, tous mes amis que j'ai, I'm robbers. Ils ont ramené armés. Go and rob them. I'm the one keeping whatever they
lorsqu'ils avaient volé, c'est moi qui gardais ce qu'ils avaient volé, c'est moi qui gardais le butin. C'est comme ça que cet esprit m'a possédé. Donc toujours cet esprit m'a tourmenté dans les rêves. Je rêve, je me vois de quelque chose dans les rêves. Et dès que je me réveille, ce désir de voler, c'est comme ça que je me pousse à me voler. Si je ne vole pas, mon cœur ne sera jamais en paix jusqu'à ce que je le fasse. Et j'ai volé, volé, volé à beaucoup d'endroits. Ce matin, c'est comment cet esprit m'a poussé à aller voler toutes ces choses. Et cet esprit m'a tourmenté et je vole partout où je vais. J'ai essayé de m'en sortir. Let him wait for me. Qu'il m'attend, prends tes choses. So, don't worry, he will be delivered. Ne vous inquiétez pas, il sera délivré. You listen to that? Vous avez entendu ça? You have heard it all from him. He said he came to the church. He's possessed the spirit of stealing. Qu'il est possédé par l'esprit de vol. Il fait ça dans tous les lieux où il va. Here to do that. He came very early to steal. Il est venu très tôt. Il a dit qu'il a fait ça depuis très longtemps et ses collègues sont tous des voleurs à merci. Et cet esprit a été avec lui, il a été dans beaucoup d'endroits. Mais aujourd'hui, il a beaucoup de choses. Le voici. Il a besoin de force. Ce que je veux dire, c'est que. If at all there's that impression for Satan, he's not here anymore. Because we have the degree we have experienced in the past. Le degré que nous avons expérimenté dans le passé, nous voulons simplement vous montrer ce que c'est. Nous pouvons continuer à perdre notre temps. Even if you carry it and go, même si tu prends country, et tu vas dans ton pays, you give it, that was a sister tu vas appeler. C'est elle qui est allée au sein du Gabon. Après un mois, il a envoyé un email qu'il a volé dans le champ des visiteurs. Et maintenant, il n'a plus contre le soi-même. Nous l'avons vu, nous connaissons. Nous savons qu'il y aurait plein de possibilités de mener une existence de paix. C'est juste qu'il s'est un accident. Your neighbor, any one of your people who sitting beside you, you forgotten something on the table. Ton voisin a oublié quelque chose à la table. This is money, or this is et que tu réalises que c'est de l'argent ou des choses de valeur qui appartiennent à quelqu'un. S'il te plaît, appelle les huissiers et donne ça aux huissiers. Le prendre, le garder pour vous peut être très dangereux ici dans le ministère. So you see, let's say he decided to take the thing. S'il avait décidé d'amener ça, de prendre son véhicule, we have it to cette machine va le suivre. Ils avaient la machine qui va le suivre. Jusqu'à ce qu'il parte très 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 loin. Cannot go away with it. So thank you. Please let him go. Keep him. Merci. Laissez-le partir. So let's attend to people that have been sitting. We do that. They will receive his deliverance. No problem. Il va recevoir sa délivrance. Le problème. Il n'y a aucun qui sont malades. I'm from South Africa. Je m'appelle Chua Lukasi, je viens de l'Afrique du Sud. August, I happened to en 2001, drink a beer with a piece inside. So that piece, even today, j'ai de l'alcool, il y avait quelque chose, un dessin de bouteille. Because of the number of people here.
whatever you need to ask under 1 second. But we will not be able to wait. Okay? Just 1 second. Whatever you want to ask, a second should be enough. So because of time. Okay? So they will summarize it. I can't wait. Please. Come on, thank you. Your name? What's up? Okay, sorry, come on. Sit down. I see you. Voilà maintenant l'homme de Dieu qui m'a appuyé pour les personnes qui sont malades et affligées dans la congrégation. Cette femme a le cœur raide, vous avez entendu ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous avez entendu le message d'aujourd'hui. About meditation. La méditation est une visite à Dieu. I believe you might have been meditating. Je crois que vous êtes en train de méditer depuis sur le message d'aujourd'hui. You have to meditate on it. Méditez sur ce message. And over and over again. Message encore et encore et encore dans votre cœur. Let's go around. Go. So because this is only way. C'est la seule façon. Enhance your faith. D'embellir votre foi pour faire fonctionner votre foi. So by the time you begin to lorsque vous commencez à méditer, vous aurez même l'auto-guérison, l'auto-délivrance. Priez pour vous-même, vous serez guéri. Sans que l'homme de Dieu vienne prier pour vous. Il y a ce qu'on appelle l'auto-guérison, l'auto-délivrance. Vous avez bien fait ça dans votre chambre à coucher, c'est parti. C'est que pour rendre témoignage, il y a l'auto-guérison. Il y a l'auto-délivrance. By the time your faith is that, you lay your hand, Jesus' name, pray and come. And you can come to church, not only this place, because it's Christ, where Christ lives, you go to other church or this church, share your testimony. This is what Christ has done for you. So that other two can live. Quand vous êtes touché, donnez votre témoignage. It's not only man of God. Ce n'est pas seul l'homme de Dieu que Dieu utilise pour délivrer. Il y a aussi l'auto-délivrance. Faites marcher votre foi. Il ne s'agit pas seulement d'être guéri, mais faites marcher votre foi. Non seulement de recevoir la bénédiction, faites marcher votre foi. Il ne s'agit pas d'avoir l'auto-délivrance, faites marcher votre foi. Je ne vous donne pas seulement des poissons que vous attrapez des poissons. Non seulement être guéri, mais faire marcher votre foi. Si votre foi marche, vous recevrez la guérison en priant pour vous-même. Faites marcher votre foi. Ne soyez pas seulement guéri, mais que votre foi soit à l'œuvre. Il vaut mieux ne pas être guéri lorsque votre foi ne marche pas. Après avoir prié pour vous, vous êtes guéri, vous devez faire fonctionner votre foi immédiatement. Lorsque votre foi est à l'œuvre, vous pouvez prier pour vous-même, pour vos enfants, pour vos familles. Somebody who is claiming, come on, my brother, you are complaining that you need water. You are thirsty. You need water, and I take you to the river. Vous dites que j'ai besoin d'eau. Vous amène dans le fleuve. Je n'ai pas couvert votre visage. Vous connaissez le chemin. Prends l'eau. Viens. La première tu reçois. Tu viendras par toi-même. Why do you want me to carry you again? Pourquoi veux-tu que je te ramène au fleuve une fois de plus? Vous comprenez ce que je dis? Je vais encore vous démontrer ce que je veux dire.
voici exactement ce qui va se passer. Il dit, homme de Dieu, aide-moi, je viens de l'eau, j'ai soif. Et il y a un lieu où il y a de l'eau, je viens souvent. Je n'ai pas couvert votre visage. Let's go. Yeah. Okay, this is water. Oh, yeah. Take it. Voilà l'eau. No. You know where you can get water. Next time you are thirsty. Maintenant vous savez où l'eau, la prochaine fois vous avez soif, vous viendrez vous-même. Si tu vois des gens qui ont besoin de soif, vous les amenez là-bas. Tu n'as plus besoin de moi pour t'amener au fleuve. Maintenant que je montre le chemin du fleuve. Voilà là, le sens du message que j'ai reçu ce matin. Je ne suis pas là pour vous guérir, mais pour vous donner la fondation suprême. Comment je vous dis, la foi biblique est différente de la foi pour la foi. Elle est différente de la foi de foi que vous avez. Je vous dis, votre nature divine est dormante. C'est votre nature humaine qui est à l'œuvre. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas méditer. Vous ne pouvez méditer que par l'aide de la nature divine. Nous pensons seulement par la nature humaine. C'est l'acception intellectuelle, la pensée rationnelle. Pas seulement notre mère, mais vous qui regardez, du monde entier. Après cette guérison, faites marcher votre foi. Après cette guérison, faites marcher votre foi. Alors, étendez la main. Après cette guérison, faites marcher votre foi. If you are at home, what of the viewer at home? You are stretching hand towards the sick woman. The people at home, how would they know where they want? Alors, les gens chez eux, you want to stretch it. God is everywhere. Étend la main, Dieu est partout. Which is your hand? Dans quelle direction étends-tu la main? Oh my gosh, man of God, save my wife. Come on. Con el problema de cuello recibido. Hombre de Dios, ma femme, c'est moi qui cuisine depuis 3 ans. Elle ne peut même pas courber son cou. Elle a une femme de steak. Ça fait 3 ans que c'est moi qui fais la cuisine. Elle va au travail. Je vais au travail, je reviens, je fais la cuisine. Hombre de Dieu, sauve-la. Man of God, please. Mama is talking. I close elle my mouth. Elle parle. But when I say he has pain, he started laughing. Okay. He won't have failure. He said, your wife is not going to be because it's your ta wife. Ta femme ne va pas être guérie parce que c'est ta femme. Elle va être guérie parce qu'elle est prête à faire marcher sa foi. C'est votre femme, c'est votre mien. C'est pas le problème maintenant. Enlevez la minière. Lève-toi. Regarde ici. Donne-moi la main. Tu es libre. Gloire à Dieu, elle est guérie. Merci Jésus. Vous avez entendu avant? Voilà ce que je dis. Lorsque vous avez un choc, lorsque tu n'es pas enceinte de Jésus, vous dites Annie, maman dit hey! Elle est choquée. Leave the place. Elle dit, je ne peux pas tourner mon cou en cuisine pour moi depuis 3-4 ans. Après la prière, elle tourne la tête à gauche. Peut-être on va fouiller dans la Bible pour voir si le nom de Dieu est là. C'est.
Vous qui avez des diplômes de la Bible, vous êtes de la, vous êtes de la Bible. Peut-être que vous trouvez au cas où on dit « Oh, hey, c'est le nom de... » Oh my God. Okay, this is your husband. C'est ton mari, homme de Dieu. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai la spondylose lombaire. En plus, j'ai le diabète. J'ai aussi des problèmes cardiaques. Mon mari a souffert pendant 22 ans de la spondylose lombaire et des problèmes cardiaques depuis 27 ans. Ça va, tout va bien, ça va. Vemos la administración. Siete años de espondilosis lumbar, recibiendo de la puissance du Saint-Esprit, en tant que la main, par la foi divine, dans le nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, le ressuscité, le vivant, celui qui fait l'œuvre par sa main invisible, et la puissance de son esprit au milieu de nous. La puissance de Dieu connaît ce corps, et la guérison est là. Regardez, le miracle est accompli. Tu es libre. Merci Jésus, je suis guéri. Man of God, please heal me. My husband is free. Jesus. Man of God, please heal me. Homme de Dieu, guéris-moi. My brother, he had cancer of the lung. Le cancer de l'œuf. We from Thailand, please. Nous venons de la Thaïlande. We from Thailand and please have a cancer for 1 year. Le cancer de l'œuf. Vemos este hombre con cáncer que está recibiendo ministración y sanidad en el nombre de Jesucristo. Lorsque nous sommes Jésus, l'homme de Dieu prit la main, il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse guérir. Voilà, les fardeaux du cancer sont en train d'être enlevés dans la vie de cette personne. Au niveau de cancer, au niveau de sa gorge, au niveau de la lymphe, c'est vrai de ce problème depuis plus d'un an, elle vient de la Thaïlande. Surnaturel qui se passe en ce moment. La puissance du Saint-Esprit visite ce corps. Lève-toi. L'homme de Dieu lui ordonne de se lever. Lève-toi. Laisse-le, il va se lever lui-même. Il va se lever. Viens. Tu es libre, tu es guéri. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus, je suis libre. Cet homme souffre d'un cancer de lymphe, stage 3, étape 3. Amen. Mais le Seigneur Jésus le guérit. Merci Jésus. J'aime ça. Elle dit dans le nom de Jésus-Christ, c'est réel. Dis-le dans le nom de Jésus, c'est une réalité, c'est réel. C'est ce que je viens de dire. Le nom de Jésus-Christ est réel, c'est ce qu'elle vient de dire. Ok. Ok, come, come, they will talk later, please. Come on. My name is Mary Onet. Fix our time, please. My problem. Ok, I can see your problem, ok? Sorry. Observe la administración de esta mujer con dificultad para caminar. Tosando una rodillera. Cette femme a des difficultés de marcher. Elle porte une genouillère. Elle reçoit l'administration de la prière de la puissance du Saint-Esprit, du prophète Ibi Yoshua. Jésus a dit. Souffre d'une sévère douleur au niveau du portant une genouillère au niveau du côté droit et de recevoir la prière dans la puissance du nom de Jésus Christ. Man, I'm gonna have difficulty walking, bending down, bending down. J'ai des difficultés à me couper. On m'a opéré les deux genoux. Mes colonnes vertébrales, tout me fait mal. Je suis dans les je prends des médicaments. Ça s'ouvre de sévères douleurs au niveau de aussi au niveau des articulations. Je vois qu'elle a fait une opération au niveau du genou, elle porte un corset lombaire et aussi une genouillère. C'est la prière de la puissance. Lève-toi, la parole d'autorité. Donner l'instruction à la justice de se lever dans la puissance du nom de Jésus.
It's your husband that pray for you. Come on, there's God. Tu crois que c'est votre homme qui porte, c'est Dieu. Va et marche. Uncle can pray. Husband can pray. Wife can pray. Pasteur peut prier, le mari peut prier, tout le monde peut prier, mais Dieu ne fait jamais défaut. Je prie pour elle, elle dit, touche-la. Tu crois que c'est un mari qui prie pour toi? I need to touch your bonbon before you walk. The problem is not bonbon. Le problème ne vient pas de là. The man is happy. The man that could not laugh is happy. We are very funny. There are certain things you hear to laugh. Il y a des choses qui te font entendre pour rire. Church is looking so. Les églises sont trop sérieuses. Quand tu dis l'argent, tout le monde est sérieux. When they hear money, quand tu parles l'argent, l'argent il rigole. Hein? Oui, mon frère qui peut attirer tous les paris de bonbon se met à lui à rire. Is he laughing? Is he laughing? Oh my gosh! Oh my god! Okay, whatever that will make you laugh, I'm ready to. Je suis prêt. Tout ce qui peut te faire rire, je suis prêt à le dire. Money. L'argent, ça fait rire. Okay, by faith, have you? Okay, my brother. Thank mon frère, you. I'm happy you are laughing. Je suis content que tu souris, que tu ris. Okay, so lève-toi, au nom de Jésus. Cet homme souffre d'un problème au niveau de sa gorge. La gorge dit quelque chose, un objet étranger. Après avoir bu de l'alcool, il souffre de ce problème depuis 16 ans. Blocage au niveau de sa poitrine. Cet homme souffre de difficultés à je suis un étudiant en dernière classe terminale. Je souffre de la spondylose lombaire. Je viens de la Roumanie. Souffre de la spondylose lombaire, ils ont un cancer lombaire et aussi pouvoir respirer. Vemos este hombre que está respirando. Il s'écroule et les chaînes de la maladie sont arrachées une à une. La dame, comme vous le voyez, c'est un bouge de manière incontrôlable par la puissance de Dieu qui est sauvée. Il y a une force divine. Enlève ça, tu es libre. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus. Je suis un soldat de l'armée nigérienne contre Boko Haram. On m'a tiré dessus depuis ce jour-là, je ne peux pas marcher. Je m'appelle Ajay David. Je suis un soldat de l'armée nigérienne. C'est durant la guerre Boko Haram. On m'a tiré dessus depuis ce jour-là, je ne peux plus marcher. Cet homme souffre de difficultés à marcher. Man of God, please help my husband. Homme de Dieu, aide mon mari. Je sers Dieu pour guérir mon mari dans le nom de Jésus. He was shot by Boko Haram in Maiduguri. C'est au Boko Haram, ils ont tiré dessus. Vu qu'il a marché, il a reçu, il porte justement un corset. La puissance de Dieu est à l'action. Il va supporter sa cheville et aussi une. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre, sa divine puissance est à l'œuvre, il est le Créateur, et sa puissance est pénétrée ce qui est, les os, la cheville sont en train d'être restaurés par le Créateur de cette terre. Et le miracle s'accomplit, regardez. L'impossible devient réalité lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, regardez. On lui enlève cette protection, mais sa genou. Son genou et sa cheville, je veux dire que la cheville raide. Regarde ici. Viens. Sa cheville a été enlevée. Vous le voyez marcher maintenant.
Merci Jésus. Merci Jésus. C'est la réponse d'un cœur joyeux. Je suis guéri. Maintenant, je peux marcher. Merci Jésus. Je peux marcher maintenant. La liberté retrouvée, la guérison retrouvée. Jésus a fait pour ce soldat en une seconde ce que les hommes ont été capables de faire. Jésus vient de me guérir. Je viens de Saint-Domingue. J'habite à New York. Cette femme a des difficultés à marcher. Le problème de l'inertie sciatique. Je prends des difficultés à marcher du nerf sciatique, utilisant une canne pour pouvoir se déplacer. L'homme de Dieu prie. Le Saint-Esprit se sert des facultés de l'homme de Dieu qui prie étant dans la main. Et la présence de Jésus est là, invisible et tout puissant. L'onction de Dieu, l'arrivée du Saint-Esprit est là. Vous voyez, guéri, restauré, parce que Dieu est là. Merci Jésus. Merci. Je m'appelle Jean-Claude de Mozart. J'habite en Côte d'Ivoire. J'ai un caillot sanguin. Je m'appelle Jean-Claude de Mozart. Je suis de la Côte d'Ivoire et je vis aux États-Unis. Il y a un caillot sanguin qui bloque la circulation. Au niveau de la jambe, utilisant justement des bas de contention à cause du problème de veine qui dont il souffre. Tu viens des États-Unis. Serve l'administration de este hombre con trombosis y está utilizando una media especial para poder caminar. Pero en este momento él ha recibido su sanidad por el poder de resurrección. Je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de douleur. Merci Jésus. Merci, il est guéri. Je ne sens plus sur ma jambe du tout. Merci Jésus. Cet homme souffre aussi de brûlures au niveau du corps. Observez en ce moment, l'homme de Dieu. Cet homme, c'est celui. Dans ses brûlures profondes au niveau de la jambe et du bras. Cet homme vient d'un autre état du Nigeria, il vient d'être déjà à la fibre. Votre femme souvent de l'ulcère alors de recevoir la prière dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Está siendo utilizado para llevar sanidad de diferentes clases. Personas con quemaduras, con úlceras, están recibiendo sanidad en el nombre de Jésus-Christ. Ils sont sauvés, ils sont guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Regardez cette femme. Elle tombe sous l'influence de la puissance de l'onction de Jésus. Cette femme atteint du sida, reçoit sa délivrance et sa guérison dans le nom puissant de Jésus. Elle s'écroule, le porteur s'écroule. Aide mon mari, il ne peut pas marcher à la suite d'un accident. Je suis une infirmière. Essayer de mon mieux pour aider mon mari, mais il ne peut pas marcher. Il a eu une luxation de la cheville droite. Homme de Dieu, aide-moi. Je n'ai plus à marcher à la suite d'un accident. Je suis directeur d'une compagnie et je ne peux pas au travail. Il ne peut pas marcher, sa femme aussi en train de plaider. Il y a une dislocation de la cheville. Il est un manager d'une société. Il ne peut pas aller faire son travail à cause de l'incapacité à marcher. Observez l'administration. Il ne peut pas caminer de un accident qui lui a causé une dislocation. Observez l'administration par parte de l'homme de Dieu, ministrant sanidad et libération en le nom de Jésus.
derrière, l'un de lui en train de tendre sa main, en train de l'opération, parce qu'il est en train de s'opérer maintenant même dans son système au niveau de sa jambe, en train de bouger la jambe de façon incontrôlable. Le voyant maintenant se lever par lui-même, qui a ses premiers pas pour le Je suis malade, homme de Dieu, viens m'aider. And I'm using a lumbar crossing. J'utilise encore ces lombaires, comme vous le voyez. D'un geste du bras, l'homme de Dieu prie, hop, elle s'est courue. En train de recevoir la prière aussi pour faire encore ces lombaires. La photo s'est courue, elle est guérie, le prophète de l'homme. Justice, le pauvre ordonne de l'enlever le corset parce qu'elle est guérie. Help me, man of God, help me. Homme de Dieu, aide-moi. Je suis du Ghana, aide-moi. Homme de Dieu. Mes reins, j'ai mal, je ne peux rien faire. Aide-moi, s'il te plaît. I'm from Ghana. Je suis du Ghana, je ne peux rien faire de moi-même. Cette femme est en train de s'exercer et de se rendre compte que le complément guéri est restauré. Seigneur, je suis guéri. Merci Jésus. Merci Père, je suis guéri. Les forteresses de la vie de cet homme ont été écrasées. Voilà maintenant l'instruction de la justice de vous donner d'enlever son corset lombaire. Observez, cet homme se sent sano de son problème en la colonne. Et cet homme qui se met à courir, œuvre effectuable de sa guérison, la santé retrouver la force dans les jambes, les genoux. Merci Jésus, je peux marcher, je peux courir. Merci Jésus. J'ai un problème au dos, j'ai les disques qui sont affaissés. Mes vertèbres numéro 4 et numéro 5 sont affaissés, il y a un passement de vertèbres, je ne peux pas marcher longtemps. Ça fait des douleurs extrêmement aiguës au dos. Elle ne marche plus correctement, ça a affecté son travail. Elle ne peut rien faire. Con un prolapso en las vértebras, haciendo ministración y toda cadena que Satanás ha está siendo quebrantadas en el nombre de Jesús y ella está recibiendo su sanidad por la sangre de Jesucristo. Elle est malade depuis très longtemps, le médecin dit qu'il y a rien de... She's very aggressive. She has a sexual series. Elle est très... to drink blood. Parfois dans la rêve, elle veut boire du sang. That's horrible. Please, please, man of God, help my mother. C'est terrible. Homme de Dieu, s'il te plaît, aide ma mère. Et le feu du Saint-Esprit des Saints, consumant la maladie, consumant les infirmités, consumant tout ce que le diable a planté dans la vie de cette femme. Observe sur pantalla, le pouvoir de l'Esprit Saint est actuant à travers la vie du prophète TV Joshua, la vie de cette famille, en le nom de Jésus.
sur la foule. Vous voyez, dès que l'homme lui a prié, le tourment de cette femme a commencé à s'écrier. Parle. Les démons se manifestent avec violence. Les outils essayent à peine de la maintenir. Qui es-tu? Même la fille aussi est possédée. Les deux démons. Qui es-tu? Saint-Esprit et tous les deux sont